Il est frappé, mais il a le temps de pousser la rondelle dans le fond de la zone des foreurs. Où on récupère bien, Casavant va même pousser à l'autre bout, et Larocque Marcoux s'échappera entre les cercles, il tire, rate complètement, et donne violemment contre la rampe. Il est blessé, Nicolas Larocque Marcoux s'est fait frapper solidement après avoir pris son tir. En chute et hors d'équilibre, là, il a violemment donné contre la rampe. Ça lui a fait mal. Ouch! Nicolas Larocque Marcoux qui a reçu toute une passe de Benjamin Casavant, s'est amené très rapidement en zone adverse. Il a pris un tir du poignet. Imprécis. Et par la suite, on l'a frappé et on va expulser le joueur des Voltigeurs de la rencontre. Et si je dois être conséquent, je dois vous avouer que je ne comprends pas trop pourquoi. C'était pas une mise en échec par derrière. Et plus tôt dans le match, Gélina, lui, avait été frappé une ou deux secondes après avoir fait sa passe, une mise en échec tardive. Là, c'était exactement le même jeu. Mise en échec une seconde après le tir de la